Et oui, cette semaine, on a de la chance, on a du pool intéressant à faire. C'est la sortie de Aigaion, une chimère et une carte vraiment sympa. Je vais vous en parler aujourd'hui. Je vous surtout les pièges à éviter dans les bannières. Et forcément, on va essayer d'aller choper Aigaion. Bref, c'est Lord Fab. J'aime beaucoup ce genre de vidéo pool. Tout de suite, je vous en parle maintenant. War of the Visions, Final Fantasy, Brave. Yo les gens, c'est Lord Fab. Comme vous le savez, cette semaine, c'est la sortie de Aigaion. Et vous le savez, c'est une carte qui est vraiment très sympathique et une chimère vraiment très sympathique aussi. On va aller regarder vite fait la carte parce qu'elle a changé légèrement par rapport à la japonaise. Elle a certains effets supplémentaires d'attaque tranchante up. Donc honnêtement, si vous avez... Foudre vent, donc quelqu'un qui peut être un slasher de foudre ou un slasher vent, honnêtement, vous êtes bien. Et je trouve qu'en plus de ça, pour une partie où vous avez un Owlette, par exemple, ça peut être vraiment pas mal. J'aime bien. Oldoa aussi, etc. Par contre, effectivement, sur mon Rairyu, ça n'ira pas. Ça n'ira pas parce qu'on va pas augmenter l'attaque tranchante supplémentaire. Donc, c'est dommage. Alors, cette carte, vous la mettez pas sur Owlette, forcément, puisque c'est une carte qui est basée attaque. Mais dans la partie, elle ira très bien pour Owlette aussi. Même si, effectivement, je préfère l'autre carte, personnellement. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la chimère qui est top pour Rairyu et Owlette. Owlette, qui est une chimère attaque tranchante, magie, résistance magique, qui est top, top, top. Alors, on va commencer par comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Alors, dans un premier temps, moi, je vais ici chercher cette petite bannière. Pourquoi ? Parce que le premier à 2000 payés. Alors, malheureusement, si vous êtes free-to-play, c'est pas possible. Mais là, vous avez 100 tickets sélectionneur d'Atout Vision. 100 tickets, c'est énorme. C'est pour 2000 payés, c'est top. Franchement, il faut aller chercher. Moi, je les prends très bien. Ça accélère grandement le up. Si vous êtes free-to-play, il faudra prendre votre main en patience et faire pop les Whimsy Shot. Whimsy Shop. Les boutiques surprises. Et après, forcément, on fait les paliers. On fait les paliers ici. Parce que sur les 5 paliers, on a plein de choses intéressantes. Et surtout, le truc, il est garanti au bout de 10 000. Donc, en gros, aujourd'hui, je vais claquer entre maximum 12 000 viseurs, dont 2 000 payés. Mais effectivement, sur les paliers ici, c'est vraiment généreux. Gilkelon pour la thune, les autres croissances pour monter la carte, des Magili Jones pour monter la Two Vision. Honnêtement, si je peux même économiser pour ne pas aller au palier 5 et utiliser 12 000, c'est très bien. Maintenant, 12 000 avec 2 000 payés, ça reste correct. Et ça, c'est une carte qu'on peut avoir. C'est très free-to-play parce que je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller chercher. Maintenant, au niveau des boutiques, qu'est-ce qu'on va aller faire? Alors, au niveau des boutiques, personnellement, je vous conseille... Pardon, on va aller voir la boutique. Hop. Je vous conseille d'aller chercher, si vous n'êtes pas free-to-play, hein, bien sûr, le pack qui vient d'arriver dans la boutique du chapitre 10, qui est le pack qui va vous donner 50 à tout vision. Donc ça, c'est top. Et vous le voyez, la valeur... Alors, quand je dis c'est top, il faut avoir les finances. Hein. Clairement, il faut que vous ayez des viseurs payés. Donc là, je vais utiliser 4000 viseurs payés, pardon. Et il y a 50 tickets de viseurs. Donc ça, c'est de 50 fragments d'Atout Vision UR. Donc, ça, c'est génial parce que du coup, ça vous permet d'avoir... Regardez, un lot qui contient un ticket sélectionnaire de 50 fragments d'Atout UR pour les Atout Vision sortis avant le 11-11-2020. Donc, vous pourrez prendre sur pas mal de trucs. Alors, on va vérifier aussi avant de faire les tirages. Alors après, ici, vous le voyez comme d'habitude, vous avez ça. Alors ça, en fait, je suis désolé de vous le dire, mais c'est une erreur. En fait, si vous faites pop les shops, ça coûtera moins cher que d'aller chercher ça. Mais ça vous prendra plus de temps et il faudra jouer beaucoup, beaucoup. Donc, si vous êtes un casu et que vous voulez aller vite, ici. Sinon, vous économisez, vous faites pop les shops et normalement, vous devriez vous en sortir pour un peu moins cher. Mais là, franchement, c'est bien. Enfin, là, honnêtement, 3700, c'est bien. Alors, moi... Je le ferai pas parce que je joue un Rairyu, donc du coup, c'est pas la carte que je veux. Moi, personnellement, sur les cartes, sur l'Atout Vision, je veux monter celle-ci, que je préfère, qui va monter à 35, ici, d'attaque tranchante, que je mettrai sur mon tank, et ça ira très, très, très bien. Allez, c'est parti pour les tirages, les amis, vous le savez. Alors bon, on va se faire un petit tirage gratos, comme ça.
On a d'autres tirages gratos aussi. On espère qu'on va choper ce petit Aigaïon le plus vite possible. Et puis, ça serait bien quand même, hein. Allez. Donc là, malheureusement, on n'a rien de bien. C'est pas grave. Alors, j'ai un pote qui a eu, je crois, Super Stern là-dedans. Incroyable. Incroyable, le truc. Incroyable. Ouais, les trucs limités. Est-ce qu'on aura des shards d'Aigaïon? Oui, non. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait. D'ailleurs, je voudrais regarder le truc si ça donne. Oui, les 2000 payés, si ça donne des shards. Alors, parce que sinon, je ne veux pas les utiliser, les 2000 payés, si ça donne. Alors, attendez. Alors, on a dit c'est celle-là. Voilà. On a donc un ticket sélectionneur. Cette invocation, machin. Qu'est-ce qu'il nous dit le ticket sélectionneur? Est-ce que le ticket sélectionneur, on pourra sélectionner autre chose? Bah écoutez, vous allez voir, on va le faire. Tant pis pour moi si ça marche pas. Allez, on va aller chercher le ticket sélectionneur de 100. Et puis, si c'est un ticket sélectionneur ou en fait qui est limité, bah tant pis. Mais au moins, vous le saurez. Allez, c'est parti. Donc là, on a un garanti. Donc là, c'est bien. Une unité UR. Allez, c'est parti. Poubelle. Allez. Ça serait tellement bien d'avoir Aigaïon directement et qu'on arrête la vidéo là. Mais vas-y, Lux Stream. Allez, stream hack, c'est Aigaïon. Ah! Ce n'est pas Aigaïon. Bon, c'est pas grave. Ça nous fait des shards quand même, hein. C'est très bien. C'est très bien, les amis. Ticket sélectionneur, avant le 11 novembre inclus. Ah là là! Avant le 11 novembre. Donc, effectivement, je pense que je n'irai pas acheter l'autre truc. L'autre à 2000 visiteurs payés, puisque simplement j'ai pas forcément de trucs à monter, donc ça me sert pas à grand chose. Donc je vais garder mes visiteurs payés. Les visiteurs payés sont une ressource essentielle, et même quand vous êtes une whale, il faut les garder pour les utiliser le mieux possible. Alors on va enlever peut-être rapidement le son des poules, parce que je pensais pas que ça soit aussi dérangeant. Donc voilà, effet sonore, musique, voix. Tac, c'est arrêté. Voilà, très très bien. Et on va aller faire nos beaux petits tirages. Voilà. Allez. C'est parti les amis. On a la hype à l'intérieur et on essaye d'avoir Aigaïon. Pourquoi je fais ça moi? Je ne sais pas. Bonne question. On essaye d'avoir Aigaïon. La chimère Aigaïon est juste dingue. Et je l'adore. Je kiffe. Allez, palier 1 à 5, on espère qu'on n'ira pas jusqu'au palier 5 pour gagner, pour garder le maximum de viseurs. Le stream hack, la chance du youtubeur, elle est là, elle est légendaire, elle est réelle. Ah, alors, on a une unité, malheureusement, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Ouh, du bleu partout. Ça, on s'en fiche, ça a pas besoin. J'aimerais bien des Salia. S'il y a des Salia, ça serait bien. Dans des jaunes, hein, il faudrait. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de jaune, c'est compliqué. Ok, les amoureux. Une fois de plus. Oh, tiens! Ok, bon. Bon, ok, d'accord. Allez, c'est parti. Bon, voilà. Par contre, vous avez vu qu'on a chopé des fragments pour la carte, éventuellement, donc pourquoi pas. On va aller voir dans la boutique juste après ce qu'on peut aller acheter avec ces fragments, parce que comme je veux pas monter à Aigaïon, parce qu'il me sert pas aujourd'hui, voilà. J'ai pas de team physique dans lequel je pourrais vraiment le mettre, donc c'est pas très intéressant. Ah, mince, moi ce qui m'intéresse, c'est l'effet de partie du slash, en fait, du slash attaque. Bon, c'est pas très beau là, hein, c'est pas très beau. Et vous voyez quand même l'importance d'avoir un truc à palier, parce que du coup, vous l'avez la carte, sûr. Parce que si vous l'avez pas, quand vous êtes pris tout play, aïe. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Oh. Ah bon, ok. Rien d'extraordinaire. Ok. Allez.
Je disais, pour Ryu, j'ai bien aimé le système où, en fait, ils vous permettent de gagner l'unité si vous faites 20 poules. Et ça, je trouve... Alors, certes, ça fait 40 000, c'est énorme, on est bien d'accord, mais c'est bien. Franchement, c'est bien, parce que, du coup, ça assure. Vous êtes un gars qui économisait pendant des semaines, et d'un coup, paf, il n'y a plus rien. Aïe, 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 quoi. Hop, ok. Bon, d'accord. J'aimerais bien Salia, s'il te plaît. Parce que je monte sa ATM, hein, vous imaginez pourquoi. Ah, tiens. Mais du coup, voilà, bon. Tant pis. Ça va se transformer, c'est sûr. Oui. Ah, tiens. Ouh, mais je la voulais, elle, je crois. Oh oui, trop bien. Lorella, je vais la monter. C'est sûr, je vais la monter. J'aime beaucoup ce personnage. Je l'avais pas. Ah, ça, je suis très, très content. Je vais la monter. Dès que j'ai fini Salia, je farm ses shards. Direct. Allez, c'est parti, les amis. Allez, bon, on voit que, quand même, les Visiors, ça part bien. Ça va très vite. Très vite. Alors, si je voulais faire la carte en plus de ça, bah, vous imaginez, ça fait mal. Moi, la prochaine unité que je vais chercher après... C'est la nouvelle archère qui sortira dans un mois. Et non. Hop. Allez, Barbie. Pas de. Aïe, aïe, aïe. Chiatas. Il n'y a pas. Ah, allez, transforme-toi. Alors, c'est vrai quand même que la hype est moins certaine quand. Encore elle. Bon, bref. La hype est quand même moins certaine. Quand on ne sait pas ce qu'on va avoir. Parce que si, avec le palier, ça gâche un peu le plaisir. Alors, non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est très bien le palier. Mais je trouve que je préfère faire une vidéo quand je ne suis pas sûr de l'avoir, parce que du coup, ça rajoute un côté piquant. Parce que là, du coup, bah voilà, il est là, quoi. Donc c'est cool, hein, super. Mais bon, et voilà, il est là, et bah voilà, bon, oh, tiens, d'ailleurs, hop. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le dernier, quoi? Dis donc, pas un arc-en-ciel aujourd'hui? Bon, ok. Ah! Tac, voilà. Attention. Ok. Ah! Dis donc, on en a des choses, hein. Un bémote, ok. On se transforme une fois. Oh, deux fois. Et là, on y va. Aïe, Gaïon. Bonjour, avec... Oui, mais oui. Aegeon, mon Dieu, les amis, Aegeon, arrêtons le délire total. C'est moche comme nom, c'est... Oh là là. Allez, on va aller voir au niveau de la boutique ce qu'on peut aller acheter. Tiens, on a ça aussi en gratuit, on va le faire. Je l'avais pas vu. Allez, c'est parti. Tac, ok, bon, je sais pas qu'est-ce qu'on a gagné, mais les amoureux et quelques trucs, bon, écoutez, c'est toujours bon à prendre, hein. Pas de souci. Allez, on va aller voir dans la boutique. Non, pas dans la boutique, il faut aller chercher les shards. Oh putain. Tingo. Alors, pour dire, moi je fais des petites. Si jamais je devais acheter, je fais des petits achats chaque jour pour aller chercher les fragments des géons. Ouais, quand je fais des achats, c'est plutôt cool. Allez, les cadeaux. Voilà. Ok, c'est super. Et on va justement dans la boutique pour voir. Qu'est-ce qu'on va acheter avec ces fragments? Qu'est-ce qui est disponible? Parce qu'on n'a pas regardé tout à l'heure. Oui, merci. 10 millions, c'est toujours bon à prendre. Boutique Mog. Et la boutique de Aegaïon est là. Voilà. Et donc là, on peut aller chercher des fragments, des trucs, mais c'est en commun avec la boutique de Owlet. Ok. Je pense que j'irai quand même chercher les fragments de la carte parce que, bah, dans tous les cas, on sait jamais si un jour je veux l'utiliser, cette carte-là. Si un jour je veux la monter pour Y ou Y raison, parce que je change de compo, etc. Pourquoi pas? On va aller quand même regarder la chimère qui me semble must have. Voilà. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est une chimère de foudre. Oui, totalement. Donc, on va regarder son tableau d'entraînement. Alors, je vous le dis, moi... Je vais aller chercher la magie. Ensuite, je vais aller chercher l'attaque tranchante. Et je vais aller chercher la résistance magique.
qui va bien. Voilà les amis, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé les 5 euros qui sont dissimulés à l'intérieur de cette vidéo, vous le savez. 5 euros en Amazon Coins, et n'oubliez pas, ils sont dissimulés dans la vidéo. Utilisez le code en premier, vous avez gagné 5 euros. Voilà, c'est cool. Et ça, c'est valable pour toutes les vidéos. Dites-le à vos amis. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt. Allez, salut, salut, c'est Lord Fab.